بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quels sont les temps des prières? Quelles sont les heures des prières, dire les créneaux dans lesquels on peut effectuer nos salawat, donc nos prières prescrites par Allah Ta'ala. Donc avant tout d'abord, je voudrais parler d'un phénomène, avant de parler des temps de prière, ça rentre dans le sujet des temps de prière tout de même, puisque ce sont des temps qui sont complètement sortis, qui n'ont rien à voir, un temps inventé, un temps regroupé. Je parle de ceux qui, retardent à l'excès, hein, pas retardés dans ce qui est permis, hein, décalent à l'excès, regroupent à l'excès leurs 5 prières, ou au moins 4, parce que certains, le Fajr, ils font à l'heure, avant de partir au travail ou autre, mais 4 ou 5, en tout cas, le soir tard chez eux, comme ça. Ils rattrapent tout ça le soir tard chez eux, hein, soi-disant à cause du travail, ou de l'école, ou peu importe, ou bref, ceci est haram. Ceci est interdit. Ceci n'est même pas valable. Hein? C'est-à-dire que tu pries, mais tu te fatigues pour rien, comme on va le voir. Ceci n'est même pas accepté. Être occupé en journée n'est absolument pas une excuse. Allah Azzawajal passe avant tout. Et la salat est un pilier de la religion. Si tu dis musulman, subhanallah, c'est pas... Il est où le pilier du travail dans l'islam? Il est où le pilier de l'école? C'est pas tout ça. C'est qui te donne ta subsistance? C'est Allah. Donc tu désobéis à Allah pour prendre ta subsistance alors que c'est Allah qui te la donne. Subhanallah, la prière, ça doit être le centre de notre vie, d'accord? Donc elle passe avant les horaires comme ça de travail, etc. On ne dit pas je travaille avant et puis je rattraperai comme ça le soir. Salat est un pilier, pas une chose que l'on peut reléguer en second plan ou genre si on a envie ou si on a le temps, non. Les prières ont été prescrites à des temps déterminés. Et on va voir ce que sont ces temps déterminés. C'est souple en plus, c'est simple de prier. Wallahi Allah, c'est facile. Et on va voir ce que c'est prier à l'heure. On peut largement s'organiser. Allah nous a facilité via des créneaux, subhanallah. On a de larges périodes, créneaux pour prier. On peut toujours trouver 10 minutes comme ça, en fonction de nos vies, de nos cas, des événements, etc. Il y a toujours un moyen. Du moins, celui qui veut vraiment, Allah lui facilitera, quelle que soit sa vie. Quant à celui qui dit, tant pis, 23 heures après manger, je regarde un petit film et après j'irai rattraper mes 5 prières avant d'aller dormir. Celui qui fait comme ça, Il se leurre, c'est un hypocrite, pas un grand hypocrite nécessairement, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'hypocrisie dans son cœur, qui ne donne que peu d'importance à Allah et la religion, c'est interdit de regrouper les salats le soir ou les sortir de leur temps, donc, comme dit Sharif Emin, cette personne-là peut rattraper 1000 fois, c'est inutile, et se fatigue pour rien, rien n'est accepté, même si tu les rattrapes 1000 fois. C'est une bid'a, c'est une innovation, on n'a jamais vu ça dans la religion, et ce n'est pas accepté. C'est comme faire, si vous pouvez donner un exemple, le Ramadan tout seul, admettons là il rentre en mai, et puis on décide de le faire comme ça en décembre ou en septembre, eh ben ça m'arrange, moi je le ferai tout seul comme ça, solo, en septembre ou en décembre. Ça c'est pas accepté, c'est une erreur, c'est n'importe quoi. Ramadan on fait avec le groupe, mais prières ont des temps. Prier salat al-as à 3h du matin ou à 23h le soir n'a aucun intérêt. C'est plus Salat al-As. Le temps de Salat al-As est sorti. On va voir ce qu'est le temps de Salat al-As et Salat al-Dhuhr. Il y a un temps, il y a une période. Quand tu sors cela, c'est fini. Le lundi, c'est le lundi. C'est plus le mercredi. Tu donnes rendez-vous à quelqu'un. Bon, bah, voilà, à ton patron, par exemple. Parce que c'est toujours des gens qui travaillent. Donc, on va leur donner cet exemple-là. Parce qu'ils comprendront peut-être avec la dounia. Patron te dit rendez-vous lundi pour la signature de ton contrat. Tu te pointes jeudi, puis tu dis, merde, j'avais des trucs à faire. Non, c'est fini. Lundi, c'est lundi. Et puis eux, quand ils te donnent une heure, tu t'y presses, mon frère ou ma sœur. 10h, c'est 10h. T'es là, 10h moins 5. Subhanallah. Mais pour Allah Ta'ala, subhanallah, t'es pas là à l'heure. Tu retardes. Je ferai ça demain, le soir. Il y en a, ils rattrapent même les prières à la semaine. Subhanallah, j'ai entendu ça. Ou tous les deux jours. Ils font des regroupements carrément comme ça. C'est même plus au jour le jour. Subhanallah. Salat al-Fajr, al-Dhuhr, As, Maghrib, Isha. Il y a des temps, c'est l'heure. C'est comme quand tu commences ton travail à 10h et la pause déjeuner à midi, etc. On te donne rendez-vous lundi, tu ne viens pas vendredi. Bref, faut être sincère, faut être sérieux un petit peu. Bon,
Ceci dit, Mabard, après cette exhortation un peu vive, mais c'est pour réveiller aussi les consciences. Je ne brosserai pas ces gens-là dans le sens du poil, il faut les réveiller et leur dire « Ittaqullah azzawajal, craignez Allah d'agir comme ça. Vous ne priez pas, même si vous rattrapez vos 5 prières le soir. Aucune n'est acceptée. Wallahi, vous ne priez même pas. Vous ne priez même pas. » Donc vous pouvez vous dire « Ah moi, alhamdoulilah, je m'endors bien, j'ai fait mes prières avant d'aller dormir. » Ça ne vaut rien. Donc il faut se remettre en question. Bon, et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est les temps des prières. Les temps, justement. À savoir, on dit « prier à l'heure, prier à l'heure, prier à l'heure. » Oui, mais c'est quoi « prier à l'heure » ? À l'heure pile, pile ? Ou un peu plus tard ? Ou quoi ? C'est quoi le temps d'une prière ? Qu'est-ce qui est mieux ? Qu'est-ce qui est interdit ? Qu'est-ce qui est détestable ? On va voir c'est quoi le temps, donc. Le mieux, déjà, premièrement, je le dis, c'est de prier en groupe, à l'heure, donc à la mosquée. Mais ça, yani, c'est clair. Il n'y a pas à en parler, puisque c'est toujours fait à l'heure. L'adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, on y va. On ne peut pas prier salat al-dhur, yani, en retard à la mosquée. Enfin, du moins pas avec le groupe. Ce n'est pas possible, puisque voilà, il y a Moudzine, il y a une organisation à la mosquée. C'est comme ça, les prières sont effectuées à l'heure, alhamdoulilah. Donc, le mieux, c'est d'aller à la mosquée. Mais si on est seul, parce qu'on travaille, l'école, on n'a pas de mosquée à proximité, bon, bah là, on doit savoir certaines choses. Et ce qu'on doit savoir, c'est que le mieux, c'est na'am de prier pile à l'heure. Vraiment, c'est d'être prêt. Mais un peu avant, faire un peu de dhikr. Na'am, être prêt un petit peu avant pour l'entrée de la salat. N'importe lesquels, où qu'on soit. C'est de prier vraiment à l'heure. Et d'effectuer comme si on était à la mosquée. Qu'on soit chez soi, qu'on soit au travail, peu importe. Je me prépare. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Maintenant, si ce n'est pas possible, pour diverses raisons, je ne sais pas pourquoi, où qu'on soit, si ce n'est pas possible, d'accord ? Dans le travail parce qu'on est dans une occupation, à l'école parce qu'on est pris par un professeur, le cours se termine qu'une demi-heure plus tard ou un quart d'heure plus tard, on va voir, d'accord ? Et à la maison parce qu'on est, j'en sais rien, par exemple, en train de s'occuper de son enfant, etc., il crie, il veut pas dormir, on est en train de lui donner à manger ou autre, d'accord ? Bon, donc là, dans toutes ces raisons-là, quand c'est pas possible, on apprend que le temps d'une prière est valide du début de l'entrée de cette prière jusqu'à sa sortie. Et qu'est-ce que sa sortie ? Son entrée, elle est claire. C'est l'heure où il y a l'adhan. Point. Mais qu'est-ce que sa sortie ? Ça dépend. Pour Salat al-Dhuhr, As, Maghrib, la sortie de ces prières-là, c'est l'entrée de la prochaine prière qui détermine la fin. À savoir, pour Salat al-Dhuhr, c'est l'entrée d'Al-Asr qui sonne sa sortie. Salat al-Asr, c'est l'entrée de Maghrib qui sonne sa sortie. Et Salat al-Maghrib, c'est l'entrée d'Al-Aisha qui sonne sa sortie. Pour Salat al-Fajr, c'est le lever du soleil qui sonne la sortie, qui détermine la fin de la prière. Et pour Salat al-Aisha, c'est la moitié de la nuit qui détermine la fin de cette prière. Mais on va détailler tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc le temps des prières va jusqu'à la sortie. Là, comme on l'a vu, une prière, tu peux l'effectuer jusqu'à sa sortie. Et c'est faux de dire, comme j'ai vu là, encore propagé par les gens de l'égarement sur Internet, c'est faux de dire... C'est les gens, les pseudo-malikites, etc., selon le faire comme malikite. Non, nous, c'est selon les preuves, selon Qur'an et Sunna, Qarara, Qarara, Rasoul. C'est pas selon ce qu'un tel a dit, etc. Ils reprennent des propos comme ça, ils refont leur calendrier de prière à leur sauce, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ces gens-là, wallahi, c'est des sectaires et c'est des égarés. Il faut pas les écouter. C'est faux de dire, donc, une prière, c'est, pour la faire, c'est une heure après son entrée, ou alors certains deux heures, ou 15 minutes, ou ceci, ou cela. C'est faux. Ils se basent sur quoi pour dire cela ? Le temps d'une prière s'étend de son entrée jusqu'à sa sortie. Khalas, c'est très simple, la religion. C'est très très simple. La prière reste valide durant tout ce temps. Tout ce temps, elle est valide. Mais, donc à savoir, on va voir c'est quoi les temps après. Mais, plus on la retarde, certes, et plus la récompense diminue, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Plus donc on retarde, hein, on éloigne notre manière, de notre, comment dirais-je, notre prière, le fait qu'on la fasse, hein, notre prière de son temps d'entrée, plus moins on s'active pour la faire vraiment pile à l'heure, et plus la récompense diminue. Déjà ça, faut le savoir. Mais dans certains cas, sachez-le, c'est même blâmé de prier vers la fin. C'est pas juste la récompense diminue, c'est même blâmé vers la fin. De la faire vers la fin. Comme Salat al-Fajr, ou l'As, quand c'est le moment où le soleil se lève pour Salat al-Fajr, ou se couche pour Salat al-As. Les hadiths sont clairs, car le soleil se couche ou se lève entre les cornes de Shaitan, et c'est le moment où les adorateurs du diable prient. D'accord ? Donc c'est blâmé, naam, à part si on a une excuse. On retarde, sans raison, c'est une chose, mais à part si on a une excuse. Alors là, pas de blâme. Et l'excuse, c'est un travail qui nous prend, ou
On est dans une étude, même si on va voir que de toute façon, travailler dans ce pays ou étudier dans ce pays, il faut déjà voir si c'est pas dans la mixité, c'est pas dans le coufre, c'est pas dans la perversité, la tenue, est-ce qu'elle est légiférée, est-ce qu'on peut prier à l'heure, c'est tout un tas de choses. Donc il faut déjà voir si le travail ou l'étude est licite. C'est pas le sujet de l'audio, mais quand même, il faut le dire. Donc il faut voir si c'est une réelle excuse, si c'est un travail licite ou une étude licite, tout d'abord. Mais bon, ça rentre dans les excuses quand même, de pouvoir là, entre guillemets, la retarder un petit peu, toujours à l'intérieur de son temps. Et je dis bien, toujours à l'intérieur de son temps, et non pas la décaler jusqu'à la semaine prochaine. ou 4 heures plus tard, ou 5 heures plus tard, ou hein, non. Donc si on a une excuse genre comme ça, ou l'oubli, comme c'est rapporté dans les hadiths authentiques, l'oubli ou sommeil, le vrai oubli, hein. T'es en train de parler avec ta mère d'une affaire importante, et là tu dis subhanallah, le soleil, on va le voir, hein, c'est ça le temps, vers le temps de la fin de Salat al-As, le soleil est en train de rougir, subhanallah, j'avais pas fait attention. D'accord ? Hein ? Ou tu parles avec ta femme le matin, subhanallah, Salat al-Fajr, on était réveillés, on aurait pu la faire pile à l'heure, on a parlé, il y a eu une dispute, j'en sais rien, subhanallah, le soleil est pas loin de se lever, subhanallah. Bon, on l'oublie, des choses comme ça, d'accord ? Ou bien, le sommeil. Le sommeil. J'ai fait une sieste après Salat al-Dhuhr, vers la fin du temps de Salat al-Dhuhr, donc peu avant l'entrée de Salat al-As, vous me suivez ? Salat al-As, admettons, a rentré à 17h30, mais je me suis endormi à 17h, et je me suis réveillé, le soleil est en train de jaunir, de rougir. Hein ? C'est pas fait exprès, c'est pas voulu, d'accord ? Ça n'a pas été calculé. Moi, je pensais m'endormir juste 5-10 minutes, puis je me suis endormi plus de 2 heures. Bon, voilà. Bon, là, il n'y a pas de blâme. Mais sans excuse, donc genre par laxisme, alors là, c'est blâmable de prier Salat al-Fajr ou Salat al-As vers la fin de leur temps. Hein ? D'accord ? Et c'est du gâchis pour Dhor et Maghreb, en tout cas. De la faire aussi tard que ça. C'est-à-dire que décaler Dhor jusqu'à presque aller rentrer Salat al-As. Ou Maghreb jusqu'à presque rentrer Salat al-Aïcha. Autant la faire directement. Car le laxisme, en plus de diminuer la récompense, est un piège qui pousse à reculer, jusqu'à un jour délaisser Salat, carrément. Ça, c'est, on le voit, c'est une règle. Hein, on a quelqu'un qui priait à l'heure, n'arrête pas tout d'un coup. Au début, il est à la mosquée. Après, il est plus à la mosquée, il a fait chez lui. Après, il a fait chez lui, il a fait pile à l'heure. Après, il a fait pile à l'heure, il a décalé jusqu'à presque à la fin de sortie de son temps. Après, il les regroupe. Après, il y en a, il les rattrape tous le soir. Après, il a fait plus. Subhanallah. Donc ça, c'est un piège. C'est une pente descendante. D'accord ? Bon, et maintenant, ça c'est dit. On va voir les temps des 5 prières. Le Fajr, la prière de l'aube. Elle rentre à son heure, à son temps, à l'aven. Et elle s'étend jusqu'au lever du soleil, le shuruq. Ça, c'est le temps du Fajr, comme a dit le prophète dans un hadith. Le mieux, c'est de la prier pile à l'heure, comme on l'a vu. Ou sinon, au milieu. Je veux dire, une heure après, par exemple. Ou sinon, en dernier recours, vers la fin, avant le lever du soleil. Mais c'est à éviter, comme on l'a vu. C'est à éviter. Hein, à moins d'avoir une excuse. Sinon, c'est à éviter. Le Dhor part de son entrée, donc, et va jusqu'à l'entrée de Salat al-As. Admettons, aujourd'hui, il est à 14h, et Salat al-As à 17h30. Eh bien, de 14h à 17h30, tout ça, c'est Dhor. Tout ça, c'est ça, t'adore, et je la fais correctement si je la fais à cette période, dans cette période-là. D'accord ? Et le mieux, comme on l'a vu, c'est de la faire à l'entrée. Hein ? Pour pas diminuer notre récompense. Mais si je suis occupé, alors là, il n'y a pas de mal. Je la ferai quand je pourrai. Si je fais ça, t'adore, là, en ce moment, à 16h45, parce que je sors du travail à 16h30, ma cache mouchkil, je la fais à 16h45, ça t'adore. Je ne peux pas faire autrement. D'accord ? Salat al-As part de son entrée et va jusqu'au Maghreb. Mais comme on l'a vu, il faut éviter de prier lorsque le soleil jaunit ou rougit. En général, les Maghreb, là, il vient... Là, je fais à cette heure-ci, on va dire 20h30, la prière du Maghreb, d'accord ? Allez, sur les coups de peut-être 19h45, quelque chose comme peut-être 3 quarts d'heure, Allahu a'lam, 3 quarts d'heure ou 40 minutes ou plutôt 30 minutes, je sais pas. Entre 30 et 50 minutes avant. Avant le Maghreb, avant le coucher du soleil, le soleil commence à jaunir, rougir. C'est normal puisqu'il va se coucher. Quand on prie Salat al-As sans excuse, à ce moment-là, on a des péchés. On a des péchés. C'est synonyme de prise de péché si on la décale sans excuse. Car c'est à la manière des hypocrites qui attendaient, c'est rapporté dans les textes authentiques, jusqu'à quoi ? Voir le soleil comme ça rougir et se lever avec paresse et ostentation pour la prière. Mais la salat reste valide tout de même. Si tu ne l'as pas fait, tu l'as fait. Tu l'as fait avec des péchés. Mais tu dois la faire quand même. Et elle restera valide. Elle a accepté ta prière. Mais diminuée, largement diminuée, tu as des péchés. À part si tu t'es endormi, comme on l'a vu, t'en as pas fait exprès. D'accord ? Mais elle va, naam, de l'entrée d'Allah jusqu'au Maghreb. Ça, c'est sa tarasse. Et elle reste valide. Il y a certains menteurs qui disent que non, elle est plus acceptée, elle sort. C'est-à-dire quand le soleil commence à jaunir, ça y est, c'est plus le temps d'Allah. C'est faux.
C'est faux. Le temps de l'As s'étend jusqu'à l'entrée pile du Maghreb. Même si le Maghreb rentre à 20h29 et que tu fais Salat al-As à 20h27, elle est valide. Elle est archi diminuée. Tu as des péchés, mais elle est valide. Et je le redis. Wallahi, ça, ceux qui disent autre chose, ça, c'est de l'égarement. Naam. Donc, voilà pour Salat al-As. Salat al-Maghreb, elle part son entrée et elle va jusqu'à l'heure du Isha. Admettons donc. Certains nous ont inventé notre règle, voilà, t'as une heure pour faire le Maghreb, 1h15. Subhanallah. Non, t'as Salat al-Maghreb, elle rentre là, 20h28, admettons, jusqu'à 22h02. Bon, et bah t'as 1h34. Hein, t'as 1h34 pour faire Salat al-Maghreb, point. C'est le temps qu'il y a entre le Maghreb et l'Aïcha, c'est tout. Mais le mieux, c'est de la faire vite pendant que le soleil se couche. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, d'accord. Pour Salat al-Aïcha, elle part de son entrée, d'accord, jusqu'à la moitié de la nuit. Et c'est même sunna de la retarder, surtout en groupe, ou si on fait court, etc. Bon, et c'est quoi la moitié de la nuit? Parce que là, jusque-là, on savait, le lever du soleil, on sait c'est quoi. C'est quand le soleil se lève, tout simplement, le shuruq. L'entrée de la prochaine prière, on arrive à l'avoir, puisqu'on connaît l'heure d'entrée de la prochaine prière, donc c'est facile de se dire c'est quoi la sortie de la précédente. Mais, pour l'Aïcha, on n'a pas de rapport avec le soleil, puisqu'il fait déjà nuit, déjà d'une, puis on n'a pas d'entrée de prochaine prière pour nous dire, bah, ça détermine la fin, l'Aïcha. C'est pour ça qu'on parle de moitié de la nuit. Moitié de la nuit, d'accord? Et pas dernier tiers de la nuit, comme je viens de voir aussi que ça a été propagé par un égaré. Hein? Dernier tiers de la nuit, non. Non. C'est pas le dernier tiers de la nuit pour faire Salat al-Aïcha. Et c'est pas jusqu'à l'entrée du Fajr, comme disent certains aussi. Ça, c'est complètement faux et sans preuve. C'est pas jusqu'au Fajr qu'on peut faire le Aïcha. Comme certains disent. Ils se basent sur rien, c'est du vent, c'est du faux. C'est complètement faux et sans preuve. On rejette cet avis total. Même s'il vient... Certains vont dire, mais un tel savant, il a dit, on rejette son avis. Il n'est pas correct, c'est une erreur. D'accord? L'Aïcha part de son entrée jusqu'à la moitié de la nuit. Qu'est-ce que la moitié de la nuit? On va calculer la moitié de la nuit, c'est très simple. La nuit en islam ne commence pas à minuit, comme on a en Occident. Non, c'est au Maghreb. La nuit vient à partir de Maghreb, quand le soleil se couche, jusqu'au Fajr, donc jusqu'à l'aube. Ça, c'est la nuit. Donc admettons que la nuit... entre à 21h, admettons que le Maghreb soit à 21h, on va faire un calcul très simple, hein, le Maghreb rentre à 21h, et l'aube, donc Salat al-Fajr, c'est 5h du matin, admettons, on a quoi? Et de 21h à minuit, on a 3h, et de minuit à 5h, on a quoi? On a 5h, 3 et 5, ça fait 8, on a 8h de nuit, de 21h jusqu'à 5h, de Maghreb jusqu'à Fajr, on a 8h, ça c'est la nuit, 8h de nuit, la moitié c'est quoi? Très simple, 4h. Donc pour avoir la moitié de la nuit, on ajoute ces 4 heures au Maghreb, puisque c'est le début de la nuit, le Maghreb. Et puisqu'on a dit que la moitié durait 4 heures. Donc pour avoir notre moitié de la nuit, on les rajoute au Maghreb tout simplement. Ça donnera donc 21 heures plus 4 heures, on obtient 1 heure du matin. C'est ça, hein ? 1 heure du matin. Ça c'est l'heure limite pour faire Salat al-Aïcha, car c'est la moitié de la nuit. Si Salat al-Aïcha rentre, admettons, et on est à 22h30, je dis comme ça, eh ben, tu veux la faire à 22h30, c'est bon, 23h, c'est bon, 23h15, c'est bon, minuit et demi, c'est bon, minuit 58, c'est bon. 1h15, c'est fini, c'est plus Salat al-Aïcha. La moitié de la nuit, elle est passée, d'accord? Voilà, tout simplement, quoi. Et donc, encore une fois, hein, c'est complètement faux de retarder Salat al-Aïcha jusqu'au dernier tiers de la nuit, ou jusqu'au Fajr, comme disent certains. C'est la moitié de la nuit qui est authentique comme temps. Non. Voilà donc pour ces temps de prière, en espérant que ça vous aura aidé, exhorté aussi, hein, secouer certains et avoir des informations claires, bénéfiques et authentiques pour savoir quand est-ce qu'on peut faire nos prières. Encore une fois, hein, le mieux c'est la mosquée, sinon si on est seul, le mieux c'est pile à l'heure, sinon quand on a telle ou telle chose, on s'organise, hein, on essaye de pas trop ni la retarder, mais un temps de prière, ça va d'une certaine entrée jusqu'à une sortie, d'accord? Et c'est pas les calculs des 1h, des 2h, c'est, je répète une dernière fois pour regrouper toute l'idée, c'est le Fajr, c'est de son entrée jusqu'au lever du soleil, Naam. Le Dhuhr, c'est de l'entrée Dhuhr jusqu'à l'entrée d'Aras. Aras, c'est de l'entrée d'Aras jusqu'à l'entrée de Maghreb. Maghreb, c'est de son entrée, donc Maghreb jusqu'à l'entrée de l'Aïcha. Et l'Aïcha, c'est de son entrée jusqu'à la moitié de la nuit. Wallahu a'lam wa ahkam, subhanaka humma wa bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.